Prévisible. Qu'est-ce que vous voulez? Il l'a bien cherché. Si tu décris, on n'y peut rien. Appelez des sécurités. Ah, on est bien peu de chose. Il a rien vu venir. C'est ça. Moi, je ne sors plus jamais. On s'y attendait pas du tout. Et peut-être. Dans ce cas-là, on est remboursé. Mais voilà. Si, à force de tenter le diable. Il avait pris son parapluie. Il l'a pas volé. Fatal. C'était fatal. Mais pourquoi diable n'avait-il pas son parapluie? Enfin. Causer blessure à Marseille pour un pipi de chat. Furieux qu'un chat se soit soulagé dans la gouttière de son toit, un homme va demander des comptes à son voisin, le maître du chat. Mal lui en prend, il reçoit une raclée. Des coups qui valent 5000 francs à leur hauteur. 5000 francs seulement, car le tribunal a reconnu l'existence de la provocation. Annulé. Ce mot prononcé par l'adjoint au maire de Niort fait l'effet d'une bombe pour les futurs époux et leurs invités. Annuler leur mariage. Pour d'obscures raisons, la République ne veut pas qu'ils deviennent mari et femme. Ils veulent dire oui. Le maire dit non. Allez, hein. Allez. Voilà un pipi de chat de collection. 5000 francs, c'est fait cher la goutte. Que d'aléas dans l'existence, que d'aléas. Ceux-là, je les mets de côté. Voilà, pour plus tard. Bon, voyons cette histoire de mariage retardé. Parce que une mauvaise blague, enfin une plaisanterie, attendait les fiancés à la mairie. Quelqu'un avait fait inscrire annulé sur leur dossier, en gros, ce qui a complètement bouleversé la cérémonie si bien préparée. Et voilà, comment peut-on rater le plus beau jour de sa vie? J'étais étudiante. Je faisais des études d'auxiliaire périculture. Lui, il travaillait, il travaille toujours comme boucher. On s'est rencontrés il y a 2 ans et à une séance de roller club. C'est mon frère Didier qui est entraîneur de ce club. Donc je suis allée là-bas pour le voir entraîner et j'ai connu Pascal à cette soirée. Et puis après, on s'est retrouvés chez mon frère pour une soirée. Et de là, on a continué à se rencontrer. Ça n'a pas été facile parce que Pascal est quand même assez timide. Et puis moi aussi, alors bon, ça a été long. Ça fait depuis 3 ans que j'ai commencé à faire ce sport, du patin à roulettes. Et c'est un soir, en allant à l'entraînement, que j'ai rencontré la sœur de l'entraîneur. Les bras bien... On balance pied, en avant, derrière, en avant, derrière. Voilà, vous faites autour de moi. J'ai eu un regard avec elle et tout, et disons que c'est là que j'ai eu un petit coup de foudre, quoi. Nous avons décidé de nous marier il y a donc 8 mois, et on a commencé à faire les préparatifs. Aller à la mairie, chercher les... demander d'abord ce qu'il fallait comme document, comme papier.
Après, on a été voir le prêtre, voir comment savoir le traiteur, tout ce qu'il fallait voir. Quoi. Et 15 jours, non, 2 mois avant le mariage, on a retourné à la mairie, redonné les papiers. Et après, on a été revoir le traiteur 15 jours avant pour dire le nom qu'on serait de personne et tout. Et 8 jours avant le mariage, on a été voir le prêtre pour remettre tout ce qui restait à faire. Quoi. Un mariage normal, cérémonie à la mairie, suivi d'une cérémonie religieuse, et puis un repas avec toute la famille et les amis. Tout ce qu'il y a dans un mariage, quoi. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage, sous réserve de vérification administrative. Par les liens du mariage, sous réserve de vérification administrative. On en sourit maintenant, un peu, mais sur le moment, ça fait guère sourire. Moi, je croyais qu'on était plutôt parti pour un enterrement que pour un mariage. Bon, la mariée pleurait, elle est en train de pleurer. Hein. C'est bien, ça. Moi, j'étais quand même mariée, je pleurais aussi. Il faut que je sois à la mairie de New York pour voir une chose pareille. Une mariée pleurer sur les marges de la mairie. C'est quand même assez stressant quand c'est sa propre fille. C'est vrai, hein, c'est vraiment aberrant, ça. Parce que nous, on est des petits. Mais je pense que là, quand on doit mériter un livret de famille, je pense qu'on est aussi large qu'eux. Hein. D'autant que j'ai été vraiment pris pour des moins que rien. Moi, c'est ce qui m'a vexé le plus, parce que même pas un mot d'excuse. On n'a pas la peine d'être instruit pour être poli. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Ça, c'est très, très vrai. Dégagez, je vous dis dégagez. Oh là, non, il rigole plus, là. Alors, on va rester. Je dis, on a eu le temps de se présenter à chaque famille. Ah oui, on a eu le temps, hein. On a eu le temps de présenter les grands-mères, les tontons, les tantes, en fait, tout le monde y a passé. Ça a quand même regroupé la famille, parce que c'est vrai que c'est difficile d'accepter un tel et tel programme. Il y a eu quand même préjudice moral pour une cérémonie aussi que tout le monde attend, quoi, attendu avec impatience. Et des excuses aussi de la mairie, de la part de la mairie, c'est tout ce que j'attends. Voilà. Administrativement, les choses s'expliquent. Quelqu'un s'est fait connaître en disant qu'il était la mariée et qu'il annulait le dossier. Ça, je ne le savais pas au moment de la cérémonie, mais le lundi, les choses étaient très claires. Comme c'était les intéressés qui étaient supposés avoir fait la démarche, et que les intéressés étaient là, libres et consentants, et qu'il n'y avait pas d'empêchement majeur au mariage, les choses sont entrées dans l'ordre, si vous voulez. Effectivement, la cérémonie était quelque peu troublée, ce qui est infiniment dommage, mais le mariage religieux ayant pu, et j'ai fait en sorte qu'il puisse se faire, eh bien, moi, je souhaite, si vous voulez, que ça leur porte chance. J'étais dans le fond de l'église, et j'attendais Fabienne et Pascal. Quand soudain arrive un émissaire de la mairie et qui me dit, voilà, dit, les mariés auront du retard parce qu'il y a eu un petit problème à la mairie. Ils ont trouvé un dossier sur lequel il y avait une marque annulée. Et quand ils sont arrivés, j'ai vu effectivement qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, mais je ne savais rien du tout. Je leur ai dit, comme je le fais d'habitude, j'ai ouvert les mains, dit voilà, soyez les bienvenus dans cette église, Fabienne et Pascal, avec tous vos amis, maintenant on va rentrer. Et bien c'est pour célébrer un événement qui est très important pour vous. Alors par conséquent, tout ce que vous pouvez avoir, mettons comme souci, vous laissez tout ici, à l'entrée. On a pris quelques instants de répétition pour voir les chants avec eux pour qu'on puisse faire quelque chose qui se tienne bien. De fait, ça marchait du premier coup tout de suite. Le mariage civil a été raté, hein. Il n'y a plus rien du mariage civil. Hein. Si on n'était pas passé à l'église après, on aurait un très mauvais souvenir du mariage. Je crois qu'on y pensera toujours, ça ne s'oublie pas, hein, ce qui s'est passé.
proverbe chinois nous dit « Ne va pas à la chasse sans ton arc, ni à ton mariage sans ta chance. » Et tout de même, quelqu'un qui s'est fait connaître en disant qu'il était la mariée, c'est un peu gros. Moi, je préfère penser qu'il s'agit d'une jeune femme qui était jalouse, d'une envieuse qui a voulu empêcher le bonheur des uns. Parce que le bonheur des uns, ben, ça peut donner des idées aux autres. En tout cas, si un jour ces gens veulent divorcer, je me demande ce qui les attend. Une dame est soignée pour une grave maladie dans un hôpital de Toulouse. De la fenêtre de sa chambre, elle ne voit qu'une chose. Un panneau publicitaire des pompes funèbres européennes. Que voilà une campagne bien ciblée. Allez, allez, allez. C'est une chanson d'amour composée en 10 mois. Ne pas pouvoir déclarer sa flamme à l'élu de son cœur, ça l'affiche mal. Pour résoudre le problème, un amoureux bordelais loue un panneau publicitaire de 4 mètres sur 3 en face du domicile de sa dulcinée. Le message est simple. Anne-Marie, je t'aime. Ça l'affiche bien. Allez, allez. À Sorgues, Vaucluse, les riverains de l'église étaient perturbés par les bruyants ébats nocturnes qui provenaient du clocher. Le couple, surpris par les pompiers, deux chouettes amoureuses, n'avaient pas résisté aux chaleurs du printemps. Il fallait bien arrêter les frais. Allez, allez. À Colmar, un lecteur attentif des pages nécrologiques du journal faisait tranquillement des visites au domicile des disparus, à l'heure précise des obsèques annoncées. Cela finit par lui rapporter 2 années de prison pour cambriolage. Allez, allez. À Talence, près de Bordeaux, dans un quartier dont la vie s'échappe peu à peu, des maisons basses succèdent aux bâtiments industriels en ruine. Des gens vivent ici, font leurs courses, vont à la pharmacie. Ils se croisent dans la rue, se reconnaissent entre eux. On se souvient vaguement d'un homme qui ne se séparait jamais de son béret ni de son vélo Solex. Un jour, il y a longtemps, il a disparu, mais le paysage n'a pas changé. Il n'a même pas été bouleversé. Qu'est-il devenu, le monsieur du 19 ? Mais, le 7 août dernier... Je cherchais mon chat, je suis allé chercher le voisin. Et on est passé par le mur ici, là où il y a les barres. Et on est rentré par une petite fenêtre qui donnait à côté... Le sort de poulailler qu'il y a de l'autre côté. Et on est rentré dans la maison et on est allé jusqu'au buffet. Et on n'est pas allé plus loin. Bon, quand on a vu l'état de la maison intérieure, on est ressorti et ça s'est arrêté là. Et le lendemain matin, bon, j'ai voulu insister, je suis repassé. Et c'est là où j'ai trouvé quelque chose de bizarre au niveau là où on était la première fois. J'ai allumé une bougie, j'ai voulu éclairer et j'ai vu que... J'étais sur un cadavre et je suis ressorti, je suis allé chercher le voisin qui venait juste d'arriver et pour le faire montrer au voisin parce que bon, un cadavre ça arrive pas tous les jours. Et aussitôt après je suis allé à la pharmacie pour appeler les inspecteurs. Quand les pompiers arrivent sur place, la maison est fermée. Le jardin est dans un désordre indescriptible. Du jamais vu. Pour pouvoir le franchir, ils devront déployer la grande échelle et marcher dessus. À l'intérieur, pas de doute. C'est bien un squelette qui est couché dans la cuisine. Le crâne appuyé sur un meuble, les pieds touchant la table ronde installée dans la pièce. Le premier truc qu'on a vu, apparemment, il était à table. Il était en train de manger et il est tombé. Il a une crise, apparemment. Et on est resté
Et avec l'inspecteur, on a essayé de trouver une lettre comme ça avec, avec son nom pour savoir qui c'était. Et on a trouvé des sud-ouest pendus là où il accrochait son blouson. Et sur les sud-ouest, il avait classé le sud-ouest, il y avait le sud-ouest 84, il y avait le 86. Mais apparemment, ça faisait un moment qu'il était. Nouvelle épreuve pour les pompiers. Le parquet du couloir de la maison est pourri, il s'effondre sous leurs pas. Dans la maison, la police pénètre dans l'intimité du monsieur du 19. Un vieux poste de TSF, un réchaud à alcool, un lit défoncé. Elle découvre ses goûts, ses habitudes, ses manies, ses obsessions. Des cartons partout, des piles de vieux journaux, et une pièce remplie de bouteilles près d'un millier contenant de l'urine. Les policiers trouvent aussi des calendriers écrits à la main. Ils constatent que les jours reportés sont rayés au fil du temps. Le dernier calendrier confectionné est celui du mois de juillet 1986. Le 6 est rayé, la ligne du 7 est intacte. Le décès du monsieur du 19 remonterait donc à 5 ans. Il avait alors 66 ans. Un autre élément accrédite l'hypothèse. Un ultime retrait à la caisse d'épargne en date du 19 juin 1986. Et puis, l'EDF et le service des eaux n'ont-ils pas coupé les compteurs en 1987 pour factures impayées? De son absence, personne ne s'est inquiété, personne ne s'est demandé ce qu'il devenait. Je pense que dans le quartier, en fait, il y a très peu de gens qui l'ont connu de son vivant, en fait, parmi les gens que je connais. C'est vrai qu'il n'y a que 2 mois que je suis là, donc je ne connais pas tous les voisins, mais le voisin immédiat, là, le voyait des fois passer. 2 fois par jour, donc il avait un Solex, il passait. Et c'était bonjour, bonsoir, c'était amical, mais c'était pas plus que ça, quoi. Il venait chez moi de temps en temps, acheter ou du beefsteak, ou du pain, ou du vin, ou quelquefois de la bière, un litre de bière, un litre de vin. Mais c'était un homme très correct, poli, mais qui ne parlait pas. C'était un homme d'une corpulence moyenne. Un peu de coupe rose sur les joues, coiffé toujours d'un béret, et il portait aussi un anorak bleu marine, je pense, autant que je me souvienne. Voilà. C'était un original, il vivait tout seul. Ce qui me frappe, c'est que personne ne s'en soit aperçu. Comme il voulait. Il a une bien triste fin. Mourir comme ça, tout seul. Maintenant qu'il est mort, on s'intéresse. C'était un original, il vivait tout seul. Il est mort tout seul. Il a une bien triste fin. Maintenant qu'on le laisse tranquille. Mourir comme ça, tout seul. Maintenant que personne ne s'en soit aperçu. Cinq ans. Et une vie qui a continué comme si de rien n'était. Le monsieur du 19 avait beau ne fréquenter, ne recevoir personne. Il était connu dans un quartier où il avait grandi et où chacun sait qui est qui. Ici, pas de béton, pas de tour surpeuplée. Ici, derrière chaque porte, il existe une mémoire. Il vaut mieux péter en bonne compagnie que de crever tout seul. Proverbe limousin. Et ça, c'est un salon pas ordinaire du tout, et qui est d'ailleurs un salon limousin, et c'est même un salon de coiffure, pour tout dire. C'est à Limoges, une coiffeuse qui était mal considérée par sa patronne s'est fait mettre au piquet. Et oui, au coin, comme à l'école, au piquet. Voilà. Oh là là, ma pauvre Gisèle. Oui ? Cette affaire, où ça en est, là ? C'est fini. C'est fini. Et vous avez gagné, j'espère. Bien sûr que j'ai gagné. Oh, vous méritez que de gagner. Je vois. Je crois que la punition était assez grande. Je suis vraiment, je suis contente pour vous. Gisèle, s'il vous plaît, vous pouvez venir ? On a un petit problème, il y a une dame qui veut se faire, couper les cheveux. Oui. Et vous, vous lui faites une belle couleur. On est bien d'accord. Bien sûr. Hein, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Je pense qu'on va rester même dans les mêmes hauteurs de ton. Je suis Gisèle, j'ai 44 ans. J'exerce dans la coiffure depuis 20 ans.
En 84, je rentre dans une succursale d'un grand salon parisien. Jusqu'en 88, où tous les ennuis ont commencé. Un petit peu quand même, hein. Tout petit peu. La retenue. Peine vénielle par rapport au cachot ou à l'exclusion temporaire, la retenue prive les lycéens de récréation. À la suite d'une altercation avec le manager, on n'a pas voulu me répondre sur des problèmes d'ordre financier. J'étais obligée de faire du courrier sur Poitiers, de téléphoner, là ça n'a pas plu du tout. J'étais un petit peu mise à l'écart. Et puis comme j'ai manifesté cette demande, j'étais plus loin, j'étais voir le conseil des prud'hommes qui eux m'ont donné des conseils et ce qu'il fallait faire. Alors à ce moment-là, on a commencé par me supprimer quelques clientes. Comme je ne peux pas rester sans rien faire, je prenais le balai, j'allais repasser les peignoirs. Puis comme je ne cédais pas, on m'a empêché de passer le balai, on m'a empêché de repasser les peignoirs, on m'a empêché de faire les shampoings. Je faisais plus rien. Des journées entières, des semaines entières. Je n'avais plus de pourcentage, je n'avais qu'un fixe. Et tout suivait. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. J'écris à monsieur à Paris, mais c'est regrettable parce qu'il n'a pas voulu s'immiscer à ce qui se passait dans son entreprise. Et là, ça a été la grosse punition. C'était la quarantaine complète. Et ensuite, ça a été le piqué. On m'a mis devant un mur, les jambes écartées. J'avais pris les part de l'article sur le journal. Oui, hein. Mais oui. C'est exactement ça. On n'a rien inventé, et heureusement du reste qu'il y ait un huissier pour constater, parce que sinon, on aurait pu dire à l'invente. Je suis restée deux jours entiers, et trois quarts d'heure de battement quand même pour aller me restaurer. Mais c'est très long, on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter, les jambes font mal, ça brûle. C'est une histoire invraisemblable. Il faut le vivre, il faut le croire, je pense. Je pense que ces gens-là aient peut-être eu de la famille de genre des Hitlériens, non, non, peut-être pas quand même, enfin. C'est archaïque, quoi, comme méthode. C'est pas moi qui fais intervenir l'huissier, c'est mon avocate qui en a pris la décision. Parce que pendant ma coupure, justement, je l'ai averti que le deuxième jour, ça recommençait. Je ne sais pas ce que le lendemain, la punition, de quel ordre elle aurait été. Et c'est elle qui a pris l'initiative. Ah ben, le huissier est venu au salon et nous sommes montés avec la direction au premier étage. Et quelle a été sa réaction de cette chère gérante, cette chère, Eh bien, elle a répondu devant l'huissier que de toute façon, c'était une punition normale. C'était pour que... pour mon bien. Ah bon? Oui, pour elle, c'était vraiment normal. C'était pour votre bien? Oui. Mais vous avez quel âge? J'ai 44 ans. Mais même à l'école, non, je n'ai jamais suivi ça. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, je vous dis franchement. Maintenant, non, oui. Je pense pas que j'aurais réagi comme ça. Mais on ne peut pas non plus toujours réagir violemment face à la violence, parce que ça se serait retourné contre elle. Et puis, mais c'est sûr que ça serait passé quelque chose. Je n'aurais pas attendu le fouet, quand même. J'espère que vous n'auriez quand même pas... Vous ne seriez pas laissé faire avec un fouet. Hein? Là, vous avez accepté, je ne sais pas comment, mais en fait, là, vraiment, je ne sais pas. Je tiens énormément à ma dignité, peut-être à mes indemnités aussi, il n'y a pas de raison. Pourquoi céder? Je n'avais rien fait de mal. C'est une très bonne employée. Chaque fois qu'elle change de salon, ben, je la suis pour me faire faire mes balayages. Mais vous aviez des clients autour de vous? Il y avait des clientes autour de moi et personne n'a bougé. Ben... Non, mais c'est pas possible. On dit bien que ça n'arrive qu'aux autres, de toute façon. Je vous garantis que c'était dommage que j'aurais pas été là-bas. Bah oui, c'est toujours ce qu'on se dit. Parce que j'aurais... En fait, après, je sais pas. Mais j'étais vraiment seule. Vraiment seule. Et personne ne bouge, mais en fait, comment vous regardez? Oui, on me regardait. Expliquez-moi, parce que moi, je ça peux pas. Ça devait être marrant. Qu'on se fasse disputer, qu'on explique clairement et qu'on essaie de faire comprendre ce qui va pas ou les choses aux personnes, c'est bien, mais taper sur les doigts ou mettre au piqué ou mettre en quarantaine, là... Moi, j'ai eu la chance d'employer des gens intelligents, et je ne suis pas spécialement intelligent, mais je suis un homme de dialogue et j'ai toujours trouvé un terrain d'entente.
sans avoir recours au piquet. Moi, le piquet, je m'en sers pour attacher mes tomates. Bah c'est une affaire qui a quand même fait beaucoup de bruit. Mais à Limoges, d'ici quelques temps, bon, ils s'en rappelleront toujours, mais ça sera un petit peu oublié. Tout a changé parce que ça a été la bascule. D'autant plus que je sais que la direction ne se gêne pas à mon égard. À 44 ans, on peut toujours retrouver du travail quand on a envie de travailler. Puisque j'ai retrouvé un emploi, je m'y sens bien, je vais redémarrer. Mais tout bascule. Enfin, écoutez, vous avez gagné. Je suis contente pour vous. C'est fini. Enfin, quand même, ça a dû être dur. C'est un mauvais cauchemar, mais... Oui, ça a dû être dur quand même de passer dans les... C'est fini. Alors, la punition, c'est un mot qui doit être maintenant rayé du dictionnaire. On n'a plus à punir les gens, c'est terminé la punition. On s'explique, on dialogue et on avance, mais on punit plus. C'est terminé. Autrefois, on calculait la hauteur des tours, la longueur de leur ombre. C'est une opération simple. Il suffit d'un rayon de soleil et de planter à côté de la tour une perche dont la dimension, elle est connue. Et ces petits faits, ces menus aléas, c'est comme l'ombre de la tour. Ils permettent de révéler nos peurs, nos envies, les fantasmes de l'humanité qui sont là-dessous. La tour, c'est notre corps social. La tour, c'est l'humanité en érection. Je vais écrire une nouvelle. Je vais écrire une petite nouvelle sur quelqu'un qui aimait tellement sa maîtresse d'école qu'elle mettait ses camarades au piquet. Un retraité de la Loire vient de recevoir, signé par le président de la République, un document lui rendant hommage pour service rendu à la France durant la Première Guerre mondiale. Né le 2 octobre 1918, ce héros n'était donc âgé que de quelques semaines le jour de l'armistice. Mais quel fait d'armes, quel biberon peut lui valoir une telle récompense? Courant naturel, Saint-Tropez, une partie. Le code de procédure pénale précise qu'un suspect doit être fouillé par un agent du même sexe. À Bordeaux, ayant arrêté un travesti, les policiers perplexes se sont demandé qui devait procéder à la fouille. La réponse est facile. Un policier travesti. Un vagabond fatigué écrit son histoire. Le récit est publié et le livre va devenir un film. Les chemins de la gloire sont décidément impénétrables. Allez, voilà. Voilà une ombre mesurable. Le vagabondage. Le vagabondage qui transpire en chacun de nous, qui dégouline. Parce que le vagabond, c'est l'homme de l'imprévisible. Du hasard, c'est celui qui fait peur. Parce qu'il nous ressemble par en dessous. Nos sociétés, ce sont d'abord des rassemblements de nomades. Bon, des nomades arrêtés. Enfin, pour écrire, il faut bien s'arrêter un peu, hein. On ne peut pas écrire en marchant. Et la route, parce qu'il y avait déjà 20 ans que la route était dans ma tête. J'étais sédentarisé par l'infection. C'est parce que j'étais avec une...
avec une femme avec qui je vivais, que j'aimais beaucoup. Et ça valait pas le coup d'être sur la route, quoi. Ça valait le coup d'être auprès d'elle. C'est pour ça que je suis parti. Je suis resté pendant 13 ans. Mais j'étais un nomade dans ma tête. J'ai jamais été fixe. Dès mon enfance, ça a été orphelinat, ça a été mes grands-parents, ça a été à droite, ça a été à gauche, mais il n'y avait rien. Donc c'était de la sédentarisation de compensation. Et c'est parce que j'avais là un gros bloc affectif, quoi. Alors quand elle est morte. Vagabond, le jour où il est rentré à l'orphelinat, il a compris qu'il serait peut-être vagabond toute sa vie, quoi. Et c'est vrai. Bon, ma foi, avant de devenir vagabond, j'ai été, bon, ce qu'on peut appeler un gras de papier, quoi. Un gras de papier. Un type insocialisé parmi les socialisés, quoi. Voilà. Ben, les vagabonds en général, bon, c'est vrai que c'était des gens que je n'avais jamais abordés auparavant. Et j'étais quand même très surprise par son vocabulaire, par sa culture. Et ça m'a perdu. Bon, c'est vrai que lui-même dit qu'il fait partie de l'aristocratie de la route. Alors on est sur la route comme devant un film. Les gens passent, le temps n'existe plus. Les choses sont vraiment en... On pense en noir et blanc et on vit en couleur. Enfin, c'est assez curieux. Et on vit avec une espèce de mur, le mur de l'avenir en face de soi. Lorsqu'on est vagabond, on a en face de soi des gens... On est nu, et on a en face de soi des gens nus. Le vagabond n'est qu'un miroir de l'homme qui est en face, l'homme exact qui est en face. Il y a un peu de sexualité, mais elle est rare. Moi, en 7 ans, j'ai eu, je crois, j'avais compté 17 ou 18 affaires, quoi, dans 7 ans. Regarde, c'est immense, 17 femmes. C'est énorme, 17 femmes en 7 ans, mais ça fait que 17 ou 20 nuits, quoi. C'est donc très peu, quoi. Et puis maintenant, apparaît quand même chez les nouveaux vagabonds les poupées gonflables dans les sacs à dos. Donc, au foyer d'accueil, il y avait un type, un routard, qui avait acheté une poupée gonflable, 4000 francs, et au bout de 3 mois, elle avait récupéré sa poupée gonflable parce que le soir, il faisait payer 10 balles la passe à ses potes dans le foyer. Quoi. Donc c'est assez marrant. Poupée gonflable, prostituée, je crois que c'est la première de France. Il y a deux bons jours pour faire une manche. C'est le jour de Noël, une fois par an, et aux élections présidentielles, une fois tous les 7 ans. Oui, il suffit de prendre un panneau sur lequel on a marqué « on a gagné », et quel que soit le vainqueur, les gens qui seront dans la rue à 8 heures du soir pensent que c'est un sympathisant. Et naturellement, ça dégringole. Et puis ceci, la merde, parce qu'on ne bouffe pas tous les jours. Parce que parmi les vagabonds, il y a 90% de fachos. Parce qu'on ne dort pas tous les jours. Parce qu'on vieillit 4 fois plus vite que d'habitude. Parce que socialement, on n'est plus rien. Il marchait sur la route, il était errant. Il n'avait pas de point de chute,
ni de maison à lui. Et il est revenu nous voir comme ça, un jour d'hiver. Il allait pas très bien et c'est là que beaucoup de choses ont commencé. C'était un soir d'hiver et on voit un grand gars rentrer dans la maison et nous dire voilà, et bon, il faut que je vienne pour parler. J'ai des choses à dire, je peux plus, faut que je parle. Je peux plus arriver à vivre si je parle pas. Il nous a raconté sa propre histoire. Et puis il a raconté des jours et des jours. Et puis nous, on en avait un petit peu assez de cette histoire-là qu'on entendait toujours. Et comme on savait qu'il écrivait sur la route des histoires qu'il notait sur un petit carnet, on lui a dit, écoute, toute cette histoire-là, au lieu de nous la raconter, maintenant on la connaît par cœur, tu devrais l'écrire sur ton carnet. Et puis pourquoi pas en faire un livre. Je suis allé chez des amis dans le Limousin. Et puis ces amis m'ont hébergé pendant 3 mois. Ils m'ont donné de la bière, un porte-plume, du papier, une chambre à leur bibliothèque. Et puis ils m'ont dit, faudrait peut-être que j'écrive tout ça. Mais je pense qu'ils l'ont fait pour que je me soulage. Bon, j'ai écrit. Et puis voilà, j'ai donné ça écrit pendant 3 mois, 4 mois, je ne me souviens plus. Et un beau jour, on a reçu le contrat photocopié des éditions de Noël, donc nous prouvant que son bouquin avait été accepté, était publié par de Noël. Les vagabonds, dans la majorité des cas, c'est entre 18 et 20 ans qu'ils rejoignent le cirque. Et moins ils ont eu de passé, plus ils ont besoin d'un passé. Sur la route, point de passé, point d'existence. Car le présent peut être plus pauvre, et l'avenir, il n'y en a pas. Sauf à... Et celle-là, des moutons influencés par Rabelais. Un groupe de 60 brebis s'est précipité du haut d'une falaise de 50 mètres dimanche après-midi. Une brebis frappée d'affolement a d'abord sauté dans le vide, immédiatement suivi par l'ensemble du troupeau. 3 d'entre elles ont succombé à leurs blessures, 30 autres ont dû être abattues. Et c'est toujours l'histoire des moutons de Panurge. La même. Terrorisés par le passage à basse altitude d'une montgolfière, 10 cochons sont morts d'une crise cardiaque. Et dans le ciel, pas un ballon d'oxygène. Allez, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle, mais alors au pied de la lettre, être mort de peur. Et ça a beau être des cochons, il n'empêche qu'il s'agit de l'épouvante fondamentale, c'est l'épouvante de ce qui nous passe au-dessus de la tête. Toujours, la peur vient d'en haut, elle est constante. C'est la peur cosmique, c'est la peur panique ancestrale, des origines. La mort vient du ciel, toujours, toujours. La mort descend, c'est la foudre, c'est l'éclair, c'est les comètes. Dieu même est épouvantable. Les premiers hommes se sont toujours couverts la tête par crainte. C'est ce qu'on appelle la terreur sacrée. Le danger vient d'en haut. C'est la flore qui existait... À l'époque de l'homme de Régourdous, il y a 70 000 ans. Et on refait le même sentier que les hommes de la préhistoire avaient emprunté toujours. Partout où il y a des cavernes, mais qui ont été recouvertes par l'érosion. Autrefois, il y avait des troupeaux de moutons. Les bois étaient bien entretenus, maintenant c'est terminé. Ça devient de la jungle et des dangers pour les incendies. Voilà le gisement, le voilà. T'es, voilà, des silex, tout ça. T'es, regardez, il y en a. Lascaux est sur la colline en face, là, juste là. Et il y avait de l'eau en abondance. Et c'était un passage obligé des animaux, pour les animaux, là, parce que ils passaient ici, en bas la Vézère. Et ils empruntaient, ils arrivaient à travers des collines aussi.
ce sont des lieux, ça, qui sont d'une importance considérable. Ce sont des lieux religieux. Lettre de M. Roger Constant au colonel commandant la base aérienne de Bordeaux. Le 19 mars 1990. Mon colonel, je suis propriétaire et conservateur d'un site classé monument historique de renommée mondiale, le Régourdou, distant de quelques centaines de mètres des grottes de Lascaux. Par la présente, je vous lance un cri d'alarme, car depuis plusieurs jours déjà, des avions de chasse survolent la région. Les bangs soniques ont ébranlé le sol, provoquant des bruits très inquiétants sous le plancher de ma maison, elle-même classée monument historique. Oui, le chien. Bonjour, mon chien. Bonjour, Lada. Oui. Alors, ici en bas, c'est la grotte sépulcrale. À l'origine, c'est une voûte qui recouvrait tout et qui s'avançait jusque devant la maison. Un sondage a été fait et ce sondage nous a dit que c'était creux. L'excavation a donc commencé en mars 1954. Et en septembre 1957, un homme fut découvert en sépulture. Et ce fut l'homme de type néandertalien, qui se trouvait près de la roche. Son âge, moins 80 000 ans. Un des plus vieux spécimens de la race. C'est une découverte capitale pour la science, pour le pays, pour Montignac. Lorsque la voûte fut enlevée en 1960, la voûte était effondrée. Les scientifiques avaient d'abord enlevé l'homme. Alors, à la reprise des fouilles, personne ne s'y attendait. Alors, ça fait la découverte en 1961, 62, 63, 64, la découverte des sépultures des ours. Les animaux avaient été décharnés, découpés avant l'enfouissement. Ils avaient d'abord fait des constructions de petits monuments en pierre serre très bien soignés, et dans lesquels les moustériens avaient d'abord déposé le crâne au milieu. Et sur certains, les animaux sont. Le crâne est déposé au milieu et les ossements sont déposés intentionnellement autour du crâne. C'est la plus ancienne religion connue, vue sous l'angle actuel. Ces survols sont à l'origine d'un second problème d'importance. En effet, afin de valoriser ce haut lieu de la préhistoire, j'ai aménagé un parc dans lequel vivent trois ours, symbole vivant de ce que fut le culte de l'ours célébré par nos lointains ancêtres en cet endroit. Or, les bangs effraient les ours et leurs réactions de panique me font craindre pour leur santé. Les animaux nous apportent beaucoup de choses. Et ils sont revenus dans leur site authentique. Mets-toi sur ton rocher là, oui. Oh les amis, les copains. Oh les amis, bonjour les copains, les voilà. Hop là. Ce sont des animaux très intelligents qui nous comprennent, qui nous observent et qui nous contrôlent sur le plan mental, comme tous les animaux. Nous sommes dans un lieu de momification. Et mes chiens, là, ils se momifient sur place. Il y a des forces considérables. C'est un des centres du monde, ici. Mais que nous ne savons plus interpréter, mais les animaux savent. La présidence de la République à M. Roger Constant, le 4 avril 1990. Je suis chargé de vous faire connaître que votre requête a été transmise à M. le ministre de la Défense. Du général de division aérienne commandant la 3e région aérienne à M. Roger Constant, le 21 mai 1990. Afin d'éviter tout risque de dégradation ou de panique de la faune du Régourdou, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'armée de l'air a décidé d'en interdire le survol à très basse altitude. Les avions d'abord passent sur cette colline et puis de Lascaux, ce qui est le plus formidable, c'est l'original. Depuis 1962, ils passaient le banc jusqu'à 6 fois par jour. Et là, il y a eu 2 au sol au mois de janvier dernier. Et le lendemain, un avion supersonique a passé juste un chasseur. Il a passé au-dessus du parc à toute vitesse, et puis en faisant un bruit extraordinaire, avec un coup de bang, et alors la mer les a tués tout de suite et les a bouffés. Ces deux petits.
plus maintenant. L'homme, il a ses engins de mort, là. Ce qui est lamentable, c'est une honte pour la société actuelle. Et les civilisations qui nous ont précédées, on ne trouve pas l'abaissement de l'homme au-dessous même de la bête. Parce que la bête est beaucoup plus respectable, et a beaucoup plus de dignité, les animaux ont beaucoup plus de dignité que l'homme. Une mère ours qui tue ses petits d'un seul coup et qui les mange parce que le monde mécanique vient de passer comme ça, brusquement, et la fait disjoncter, c'est impressionnant. Et je pense au jour où les mamans vont devenir ogresses et où elles vont tuer leurs petits-enfants, leurs bébés, parce que nous vivons dans des nuisances insupportables et à moins que ce soit déjà commencé, ça. Une habitante de Vienne, dans l'Isère, appelle son médecin. Elle s'inquiète des râles qu'elle entend à l'autre bout du fil. Elle prévient les pompiers. Trop tard, le docteur est mort victime d'un infarctus. Dans la salle d'attente, personne n'avait rien remarqué. Allez, hein ? Allez ! Près de Besançon, un chasseur a reçu une volée de plomb dans le bas-ventre. Banal accident de chasse ? Non, c'est son chien qui a tiré. Un chien sachant chasser doit savoir chasser son maître. Allez, hein ? Allez ! Madame Bourdon a beaucoup hésité avant d'appeler les pompiers de Quimper pour qu'ils viennent la débarrasser d'un nid de guêpes. Il est vrai que les seins de Madame Bourdon se trouvaient fort bien chez elle. 25 rue des Butineuses, cité des Abeilles. Allez, hein ! Allez ! Proverbe chinois, mieux vaut une poignée d'abeilles qu'un sac de mouches. Et maintenant, si vous avez chez vous de beaux aléas, et même des aléas ordinaires, envoyez-les-moi, s'il vous plaît, j'en ferai mon miel.